à l'amour. Depuis 2014, année au cours de laquelle Emmanuel Rivasso a rejoint l'équipe de l'émission Maison à vendre animée par le très célèbre et apprécié Stéphane Plaza. Tout sourit à Emmanuel Rivasso. Celle qui a suivi des études en arts appliqués spécialisées en architecture d'intérieur et design immobilier est devenue l'un des atouts du programme. Avant cela, Emmanuel Rivasso proposait ses services aux particuliers. C'est désormais sur M6 qu'elle officie. Preuve de son succès, elle intervient régulièrement dans le programme en tant que décoratrice d'intérieur. Sa mission ? Magnifier les biens en vente afin de les rendre attractifs auprès des potentiels acheteurs. Preuve de sa popularité à la télévision, on l'a vu dans l'émission Redesigne, sauvant les meubles depuis 2017. Aux côtés d'une autre acolyte de Stéphane Plaza, Sophie Ferjani, mais aussi dans l'émission Mieux chez soi également animée par Stéphane Plaza. Côté vie privée, Emmanuel Rivasso file le parfait amour avec son mari, le DJ Gilles Lucas. Leur histoire d'amour dure déjà depuis plus de 22 ans comme le confiait le musicien en février dernier à l'occasion de leurs 15 ans de mariage. Aujourd'hui, cela fait exactement 22 ans que j'ai rencontré Emmanuel Rivasso et nous fêtons nos 15 ans de mariage. Elle c'est Benjamin Button et moi je vieillis comme tout le monde. Écrivait-il sur les réseaux sociaux. Pour autant, Emmanuel Rivasso choisit de ne poster des photos de son couple qu'à de très rares occasions. Le 8 août 2021, elle s'est affichée encore très proche de celui qui fait battre son cœur depuis tant d'années. On aime les tissus aux motifs chargés avec Gilles Lucas, du coup réunis ensemble ça peut parfois piquer les yeux. Si on avait été deux coussins, vous nous auriez posés côte à côte sur le même canapé. On vous embrasse. Dit-elle, avec le sens de l'humour qu'on lui connaît. Nul doute que son goût pour les jolis imprimés fait le succès de sa gamme de papier peint. Pour découvrir la photo, c'est par ici.